Enterrer un chien, c'est du gaspillage. Voilà ce que confirme cet autre témoignage singulier. Est-ce que vous mangez de la viande de chien? Oh, il y a des années. Depuis combien de temps? Depuis l'âge de 3 ans. Et vous avez quel âge? 76. Vous mangez la viande de quel chien? Quelle race? Oh, le plus souvent dans le temps, mon père, naturellement. Il prenait les chiens qu'il trouvait. Il y a de meilleures races que d'autres pour la boucherie? Oui, il y a le Thurpechle et puis le Lappenzeller. Les chiens que vous tuez, alors, où est-ce que vous les trouvez? Oh, c'est les gens qui me les donnent. Ils savent que je mange du chien, puis ils s'en débarrassent. Ils sont qui de les enfouir, ils me les donnent. Et comment est-ce que vous les tuez? Dans le temps, je les tirais avec un revolver. Et puis alors maintenant? Maintenant, naturellement, je ne voyais plus clair d'un œil, je ne peux plus tirer. Alors, il fallait quelqu'un pour les tuer. Et puis alors ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous... Bon, je les dépouille, puis je les mange, quoi. Vous mettez la viande à sécher ou bien comment? Des fois, l'hiver, j'en mets sécher beaucoup. Est-ce que c'est bon, la viande de chien? Oh, c'est naturel, c'est bon. Pourquoi? Parce que j'aime mieux cette viande-là, j'apprécie mieux cette viande-là que la viande de boucherie, soit une vieille vache ou bien une vieille chèvre, quoi.